jeu des 1000 euros avec le fromage Beaufort, fromage des hautes montagnes de Savoie. Chers amis, bonjour. Angoulême, 45 000 habitants en Charente et des milliers d'amoureux du 9e art qui vont venir assister au 37e Festival international de la bande dessinée. Ce festival, en effet, commence aujourd'hui et il se tient jusqu'à dimanche. Des expositions, des rencontres, des spectacles, des ateliers et des prix. Le palmarès sera révélé dimanche après-midi parmi 58 albums en compétition dans la sélection officielle. Des prix qui portent le nom de Fauve d'Angoulême. Parmi les expositions, celle de Blutch qui a reçu l'an dernier le Grand Prix de la ville. Il a commencé il y a une vingtaine d'années dans le magazine Fluide Glacial et il est doublement à l'honneur puisque, outre l'exposition qui lui est consacrée, on le retrouvera sur scène samedi soir au théâtre dans une sorte de concert dessiné. Alors, parmi toutes les expositions qui sont proposées pendant ce festival, on peut citer celle consacrée aux jeunes talents, une autre sur le personnage de bande dessinée Léonard, créé par Turc et De Grotte, et puis les célèbres tuniques bleues, les grands classiques. C'est bien parce que toutes les générations, finalement, se côtoient dans ce festival, aussi bien ces grands classiques des tuniques bleues que les mangas, par exemple, en passant par la bande dessinée russe, les dessinateurs d'humour également qui seront à l'honneur. Voilà, je ne peux pas tout citer, mais la plupart des courants donc, de cette famille sera représentée au fil des expositions et des spectacles. On en reparlera demain, car il est temps déjà de jouer au jeu des 1000 euros. Et nos concurrents d'aujourd'hui s'appellent Georges Gascuel et Pierre Lamoureux. On les accueille. Bonjour Georges. Bonjour. Georges Gascuel habite à Angoulême. Alors en haut, en bas En bas, comme les prolétaires. En bas. Ah bon, d'accord. Ah, c'est comme ça, il y a des différences de classe sociale en fonction de l'altitude. Donc vous êtes près de la Charente, vous êtes bien placé. Tout près de la Charente, où je fais souvent des promenades sur le chemin de Halage. Oui, chemin de Halage, donc à pied, en courant. À pied, en courant, suivant la forme, suivant la météo, suivant beaucoup de choses. Oui, un peu de vélo aussi. Un peu de, non, un peu de salle de sport, cardio training, mais un vélo d'intérieur, quoi. Et vous êtes un passionné, un mordu de jeux. Ah oui, ça, j'adore les jeux depuis mon adolescence. Mon premier jeu, c'était un Kito Double en 1963. Vous y aviez participé? J'y avais participé. Avec Zappy Max? Non, je me rappelle d'ailleurs pas son nom de l'animateur. C'était... Ah bah ça va lui faire plaisir. On est peu de choses, voyez. Hein. Bon, et ensuite, j'ai continué par des jeux télé, des jeux radio, et là, c'est la sixième fois que j'ai le plaisir et le bonheur de venir sur le plateau. Ah bah dites donc, en effet, alors. Georges Gascuel, votre coéquipier du jour, c'est Pierre Lamoureux. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous habitez en haut, alors. Vous en haut, comme partie des faites partie des riches, alors. Comme les bourgeois, oui. Les bourgeois du centre-ville d'Angoulême. On dit ça avec le sourire, naturellement. Vous êtes passionné de sport aussi, à tel point, d'ailleurs, que vous êtes le directeur d'un club. Non, je m'occupe de la trésorerie. Du club de rugby. Du club de rugby d'Angoulême, le Sporting Club d'Angoulême. Le Sporting Club d'Angoulême, qui d'ailleurs va fêter un anniversaire cette année. Alors nous avons également créé une association pour organiser les festivités du centenaire du SCA, qui se tiendront fin juillet, le 24 et 25 juillet, avec bien entendu la venue de grosses équipes, des équipes du top 14, donc ça c'est à, ah oui, ça c'est va être à préparer. Un grand événement alors pour cette année à Angoulême. D'ailleurs vous connaissez tous les deux Pierre et Georges, j'ai appris oui, ça. Oui, depuis au moins 30 ans. Mais comment se fait-il que vous soyez ensemble alors au jeu des 1000 euros, c'est vraiment le hasard? Le hasard a voulu ça. Le hasard non, de la nous sélection. Nous sommes venus, nous savions que nous nous retrouverions ici, mais le hasard a fait que nous avons été pris. Et en plus vous formez le duo du jour, nous nous lançons avec les questions envoyées par les auditeurs immédiatement. Alors cette première question bleue a été envoyée par une classe de première d'ailleurs d'un lycée, le lycée Georges Brassens, une classe de première STG en communication de Neuchâtel-en-Bray en Seine-Maritime. Il nous envoie d'ailleurs souvent des questions, ces lycéens. Dans la mythologie grecque, il y avait des créatures mi-hommes et mi-chevaux. Comment s'appelle alors cet animal en quelque sorte, ou cet homme, ou ce mi-homme, mi-animal? Les centaures. Les centaures. Les centaures, bonne réponse. Buste et visage d'homme et corps de cheval pour le centaure. Une deuxième question bleue d'Anne Fleury de Tarbes. Où situez-vous, sur quel continent, le désert de Gobi? En Asie. Le désert de Gobi se trouve bien en Asie, entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie.
Le mot Gobi désigne en mongol d'ailleurs un territoire semi-aride, le désert de Gobi, G-O-B-I. Cette troisième question bleue, elle nous a été envoyée par des collégiens, cette fois-ci des collégiens du collège Lataste de Cadillac en Gironde, des élèves d'une classe de troisième. Le nœud de vipère et Vipère au point, ce sont deux titres de romans connus, deux titres qui se ressemblent mais qui ne sont pas du même auteur. Quels sont les auteurs du nœud de vipère et de Vipère au point? Hervé Bazin, oui, pour Vipère au point. Pour Vipère au point. Et François Mauriac pour Nœud de vipère. François Mauriac pour Nœud de vipère. Mauriac a écrit Nœud de vipère en 1932 et Bazin, Vipère au